Mais c'était trop bien parce que j'ai vite découvert des trucs d'adultes en fait. C'est ça qui était bien. Oula. Ouais. Ah là, on y arrive quand on creuse un peu. Ouais, ouais, ouais. T'étais déjà mature quand t'étais jeune comme ça, t'avais cette maturité ouais. de. Ouais, j'ai toujours Romain, eu viens plus. À boire de l'alcool. Vous savez, l'alcool, ça purifie l'âme. L'inverse, tu vois. C'est plus très jeune, je me suis dit, ah viens, on va faire des trucs d'adultes, genre l'alcool, genre. Ah ouais. Tu vois, genre, ouais, genre l'alcool, la clope, là, le reste. Inutile de. de développer. Mais bon, disons que je suis un peu une encyclopédie de. Bah, de la défonce, les frérots. Mais non, t'as tout testé? J'ai tout testé. Mais non. Ah ouais? Ouais, je pense qu'il n'y a pas grand chose que j'ai pas testé, ouais. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, d'accord. Le chemin des excès bento, palais de la sagesse, il paraît. Ouais. Ouais, ça, c'est vraiment tu l'as préparé depuis longtemps. Depuis... Non, mais tu comprends ça. Quand la police, elle arrive. Quand j'ai lu cette quand la police, elle arrive. Elle a dit quand la police, elle arrive. Le chemin des excès. Non, mais je suis encore sous le chemin des excès. Attendez. La voie de la sagesse est juste là. Donnez-moi encore 2 minutes. Ah. Finis ça, ça. Elle est rentre chez elle et c'est bon. Elle rentre chez elle. Après, c'est bien, on va être bien sage. Ouais, non, mais cette phrase, elle a trop justifié les trucs dans ma tête. Je me disais, ah, mais t'inquiète, ça mènera à la voie de la sagesse. Mais là, tu vois, là, je pense qu'aujourd'hui, j'y arrive. Là, maintenant, aujourd'hui, en vrai de vrai, j'ai tout arrêté. Tu vois, je consomme rien. Tu m'as vu, je suis devenu un légume. Mais en même temps, j'ai perdu 10 piges, tu vois. C'est vrai que t'as bonne mine. Eh, c'est vrai que t'as tout arrêté. T'as arrêté l'alcool, la clope. Mais déjà, tu m'as dit, t'as tout essayé avant. T'avais essayé quoi? Que en alcool ou en drogue aussi? Ouais, drogue aussi, ouais. Drogue aussi. Tout ce qui ouvrait un peu les perceptions, Les chakras. Disons que j'ai creusé. Ouais, les chakras, contre, on va dire les chakras. Ce qui gonfle l'ego, j'ai jamais aimé. Ah, ouais, c'est intéressant. Je sais pas si, ouais, de quel je parle, c'est pas du tout ce que. Tu vois? Pas ta cam. C'est le truc où, en fait, c'est pas un truc spirituel, c'est juste après, tu te mets à parler à des gens 1000 heures, genre, et c'est nul ce que tu racontes, t'es persuadé, tu dis des dingueries. Oh là là, y a rien de pire dans la vie qu'être sobre et un mec coqué, il veut absolument parler avec toi. Oh là 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 là, frère, laisse-nous. Laisse-nous. Enregistre-toi, écoute-toi, tu veux parler à toi de toute façon. C'est tu vrai. Vois, moi, c'est pas, ces drogues-là, ça m'a jamais, tu vois, moi, c'est celle de, tu vois, tu connais, chaman et tout, genre, oh là là, est-ce que je vais parler aux démons à l'intérieur, et tout, genre. Est-ce que je vais se ressortir de là? J'ai ouvert mon 8e œil. C'est cela, moi, que j'aime bien, tu vois. Que j'ai voulu tester, en fait. Et t'avais pas peur de tomber accro quand tu testes tous ces trucs-là? Bah, en fait, celle qui rend accro, c'est plus celle qui gonfle l'ego. Mm. Celle qui gonfle les perceptions, elle rend rarement accro. T'as fait les voyages, t'es tu vas en Amérique du Sud, tu t'allonges dans une cabane avec des. Non, ça, j'ai pas fait. Non, t'as pas fait ça. Non, j'ai pas fait. Mais par contre, c'est la mescaline, souvent ça, le San Pedro, c'est un champignon. Pas un champignon. C'est un bien cactus. Technique, hein, t'as bien. Ouais. Là, tu viens de, là, tu montres que t'es vraiment là, tu connais, là. Non, mais là. Là, il y a aussi le nom, la molécule. C'est, ça agit par rapport là. C'est ça. Après, ça part là. Ouais, les portes de la perception. C'est un livre de Aldous Huxley. Où c'est un mec qui prend la mescaline et il remet en question la perception. La il est suivi par des scientifiques et tout. Salade. Mais c'est une dinguerie! C'est vraiment une œuvre incroyable, ok? C'est le groupe de musique The Doors. Il s'appelle The Doors par rapport à ce livre là. The Doors of Perception. C'est un truc de fou, vraiment. Et donc, moi, j'avais 19 piges. 19 piges et je suis parti chercher le cactus dans lequel était censé y avoir la drogue, la truc. Et tout. Et je l'ai coupé. Ah, il a moi-même. Déglingué des cactus. Non, mais les... Allez, où, cousin. J'ai moi-même préparé le cactus et j'ai attendu genre 2 heures assis en tailleur que genre j'ai l'illumination et à un moment donné, je me suis levé, je dis pas, non, je pense que j'ai juste mangé du cactus en vrai. Je pense que là après 2 heures, juste, il m'a rien passé, en fait, là. Juste ça pique. En vrai, ouais. J'aurais dû le désépiner peut-être. Mais ouais. Mais bon, faut faire attention quoi, quand même. Parce que j'ai vécu des bad trips de fou aussi. Ah, c'est intéressant. Je suis allé en enfer. Je trouve les gens, ils parlent. Attends. Oui. Attends, parce que je trouve les gens, ils parlent jamais des mauvais côtés quand ils parlent de la drogue. Mais il y a principalement des mauvais côtés dans la drogue. Toute l'expérience de la drogue, c'est les mauvais côtés. Mais merci. Mais il y en a, ils te disent non, je suis désolé, ça t'ouvre. Ouais, il y a des bonnes phases. Ça soulage. Mais... Moi, combien de fois on m'a dit, mais Seb, tu devrais fumer. Mais je dis, mais non, j'ai déjà trop de problèmes en fait. Trop d'angoisse. Non, mais tu devrais t'es fumer. Genre deux mecs, tu prends de là, on te retrouve derrière le rideau comme ça, regardez. Il me voit pas. Je crois on me cherche. Non, c'est sûr. Ils savent. Ils sont au courant de tout, Roman, putain. Mais c'est sûr et certain. C'est sûr.